Et oui, souvent je me dis, nul n'a vraiment conscience des qualités thérapeutiques du chocolat. Le chocolat, issu de cette fève, le cacao, découvert par les Incas. Merde, je me trompe de stream, c'est pas le bon. Hey, salut, bienvenue dans The Big Gameoski. Aujourd'hui, on va manger du chocolat. Et on va faire un nouveau jeu. C'est 19h, c'est l'heure. Est-ce que je vous sors une nouveauté? Non. Non. Aujourd'hui, on va se faire un shmup. Alors, je vous rappelle qu'en ce moment, on traîne dans la période 1990. Et on va se faire un titre qui s'appelle Grid Seeker Project Stormhammer. Si le mec a fait ça, il n'était pas en colère. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Alors, faut que je mette tous les carreaux en même temps dans la bouche, sinon je pourrais pas jouer en même temps. Un premier bug de stream, on n'a pas l'écran du jeu. Qu'à cela ne tienne. Oui, aujourd'hui je meuble en me moment. Parce que c'est très mal poli de manger, enfin de parler la bouche pleine. Ou de manger en parlant. Nice. Alors, c'est donc Taito qui est tout énervé comme ça. Mais monsieur Taito, faut pas faire des titres vénères comme ça. Ça fait peur. Pensez aux enfants. Et oui, votre jeu, c'est pour les enfants aussi. Enfin, à la base, c'est surtout pour les enfants, je crois. Bon, maintenant, il se trouve qu'il y a des gens. Je prends des risques pour ce stream, je vais remanger du chocolat encore. Hein. Et comme je vous l'ai dit, c'est purement thérapeutique. Une petite démo, s'il te plaît, monsieur. D'accord, donc on peut se servir du bouclier, qu'on peut plus ou moins orienter, pour essayer de choper des boulettes qui permettront de recharger le stock de bombes. Ok. On va vérifier si c'est praticable. Non, sans que je m'enfile avant, enfin deux carrés de chocolat en même temps. Hein. Et là, on va voir si c'est un jeu qui vaut vraiment la peine. C'est parti! Elle ne va plus. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un stream un peu original? Non. Ouais. Bah non, il bouge pas ton truc. Alors j'ai un coéquipier, apparemment, qui me fait de la merde, parce qu'il est vraiment pas là où il faut tirer, j'ai l'impression. Et je ne comprends pas tout alors. Je suis peut-être bête, hein. Ça c'est. Je dis pas le contraire, comme ça. Comment je change mon tir moi, monsieur? Monsieur? Laissez-moi essayer! D'accord. Garder appuyer le bouton et bouger haut bas en même temps, c'est pas ce qu'on a inventé de super pratique. De plus pratique. Alors profitez, bande de vénards, parce que vous avez le retour du son en fond, moi je l'ai pas. Oui, c'est toujours ce problème, je déteste jouer avec un casque. Regardez-moi cette gentille éphémère, il veut me faire des petits bisous, tout brillant. On appelle des bombes couramment. Moins. Ah. Et en plus, j'ai un plantage. Alors ça n'était encore jamais arrivé dans le stream, un plantage d'une émulation, c'est juste magnifique. L'écran noir que vous voyez actuellement, c'est le même que celui que j'ai.
Ah, ça revient. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, on m'aurait menti. Bon, on va réessayer, hein. Peut-être qu'on aura plus de chance la deuxième fois. Et on va prendre l'hélico, tiens. Okay. Ah, mais d'accord, je peux tirer derrière. Ah, bah, ça va me servir, ça. Lolo. Bah, en fait, ce qui me perturbe, c'est d'avoir le bouclier devant et ma hitbox qui est derrière à perpète. Ce qui fait que, désespérément, on essaye de faire passer le bouclier. Mais on oublie, du coup, que c'est le petit hélico derrière qui se prend les boulettes. Et qu'une fois que le bouclier a réussi à naviguer avec succès entre des tirs, c'est pas pour autant que l'hélico derrière est sauvé. Et je n'ai toujours pas essayé la méga bombe. Alors là, vous avez totalement raison. Rien que pour ça, je mériterais de remanger un bout de chocolat. Mais vu qu'il n'y en a plus, on va faire ça. Ah ah, vous avez vu ça, cette finesse? Alors c'est dommage parce que les mouvements pour positionner, c'est d'amener deux petits boucliers devant, sont un petit poil pénibles. Because ils sont très longs. Et du coup, vous tapez la configuration du bouclier pendant que vous esquivez les boulettes, pendant que vous apprenez en temps réel les patterns que vous ne connaissez absolument pas. Je sais pas ce qu'on a fait quand même de plus souple. Hein. J'allais essayer ma super bombe. Non, ne me plante pas. Ne me plante pas. I want to go again. Yes, do not fuck me. Pas du début. And you are at the début. Oh, joueur. Mouais. Alors, ce jeu, je vais être méchant. Parce que du coup, je vais avoir une opinion sans l'avoir vraiment parcouru. Mais je vais pas le sélectionner. Très honnêtement. C'est pas ces jolis fonds, bien travaillés, tout ça, qui vont rattraper le truc. Sa jouabilité est quand même assez brouillonne, on va dire. Alors, ne serait-ce que par ce phénomène de bouclier qui met deux plombes à être positionné là où on veut. Mais aussi, surtout, parce que je vous ai dit à propos de la hitbox, quoi, parce que c'est juste purement imbitable. Et oui, je redégaine mon expression, imbitable. Mégabombe. Elle est moche, de mégabombe, en plus. Oui, alors, je ne suis pas de mauvaise humeur, c'est juste que ce jeu, je le trouve très amateur, en fait. Alors, le seul truc qui doit être bien, je pense, c'est la musique que je n'ai pas. Et on va se quitter sur cette musique. Parce que, très honnêtement, j'ai pas envie d'en rajouter. Ça se trouve, il y a des gens qui aiment beaucoup ce jeu, et ils n'ont pas tort. Et qui doivent prendre un bon gros pied dessus. Ceci dit, pour le commun des mortels, c'est un jeu dont on se passera allègrement. Puisqu'il existe d'autres produits de la même période qui sont tout à fait recommandables. Voilà pour le stream du jour, c'était donc, retenez ce nom, non notez-le, vous ne le retiendrez jamais. Grid Seeker Project Stormhammer. À la fin, si vous êtes vraiment prétentieux, vous rajoutez toujours, comme d'habitude, of the death in the killing mood. Ça marche toujours, ça fait un truc qui ne veut rien dire, mais c'est tellement impressionnant qu'en général l'adversaire évite de se battre. Voilà, voilà, c'est sur cette astuce absolument formidable qu'on se quitte et je vous donne rendez-vous à demain 19h pour un nouveau stream avec un vrai jeu. On espère ce sera bien, ça changera un petit peu. Des bisous, ciao. C'est ta cheville qui a craqué? Non? C'est quoi?